Cette année, j'ai une équipe de Grand National composée de Félicie Bertrand et de Camille Condé-Ferreira, équipe que je partage avec Maison Bébium, c'est M. Hubert de Beaulieu. Maison Bébium, c'est les maisons bioclimatiques. Nous faisions déjà équipe d'ailleurs l'année dernière. Je pense que le Grand National, c'est important pour moi, mes chevaux, mes cavalières, mais pas que pour moi, je pense que c'est important pour tout le monde parce que c'est un circuit qui est un circuit, je trouve, assez sain. Puisque tout le monde peut participer à ce circuit. Et je pense qu'il y a beaucoup de cavaliers de valeur en France. Donc, à l'étape de Notre-Dame, seule était présente Camille, avec 4 chevaux que je lui ai confiés. Elle a une belle 5e place avec Corrado du Moulin dans la mètre 45 avec Barrage. Félicie, elle était à Royan. Donc, cette semaine, les deux cavalières sont présentes ici. Félicie avec Urano de Cartigny qui fait sa rentrée puisqu'il avait été blessé à Falsterbo l'année dernière. Et Camille avec d'autres chevaux. Et voilà, et pour l'instant ça se passe plutôt assez bien. Camille et moi, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble et que un peu je l'ai prise sous mon aile et c'est vraiment une élève modèle et je suis très contente de sa réussite aujourd'hui. Elle a su bien prendre le virage maintenant entre les jeunes années de jeunes cavaliers et maintenant l'âge adulte, que c'est une cavalière méritante et qui progresse bien, ça me fait plaisir. Cette année, donc, je suis partenaire avec Hermès et avec Sylvain Misraoui et Toscane Caroline Richard. Je suis assez fier de représenter Hermès pour le Grand National et pas que. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose, une élite pour moi et donc je suis vraiment très fier de les représenter. Cantelus a rentré dans mon programme parce que j'adore le terrain ici et c'est vrai que pour Altesse, encore une fois, pour son premier Grand Prix, alors je sais qu'il y a un très beau plateau, mais je trouvais que c'était vraiment très bien pour elle, elle connaît quand même assez bien le terrain. En plus, on a une belle surprise avec les infrastructures, les box en dur, et je trouve ça vraiment super qu'on puisse avoir ça à côté de Deauville. Donc non, c'était vraiment un objectif pour en tout cas ma jument de tête, pour pouvoir venir ici et faire une première sur cette étape. Altesse, on l'a acheté avec mes associés, avec qui on a les écuries BTCR. Donc je l'ai depuis l'âge de 7 ans. Et c'est une jument qui n'avait rien fait du tout hein, à 7 ans, du coup elle a progressé tranquillement. Et puis, petit à petit, la jument progresse vraiment bien. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. Donc, c'était vraiment son année pour voir un petit peu, découvrir comment elle était sur ses grands prix à 1,50 m. J'ai toujours Vaya, ma jument de vitesse, qui fait très bien 1,45 m, qui avait débuté la saison à Valencia. Elle avait fait son premier grand prix aussi à 1,50 m. Donc, j'ai elle qui va l'épauler. Et ensuite, j'ai un 7 ans qui est vraiment très, très bien. J'ai un 9 ans aussi, Denver, qui va faire le petit Grand Prix là tout à l'heure. Oui, j'ai quelques chevaux qui commencent à arriver, qui commencent à être vraiment très bien pour l'épauler. Pendant le confinement, ça m'a permis surtout de la travailler elle pour bien la préparer. J'ai voulu un petit peu tester aussi, j'ai déféré quelques chevaux. Donc, j'ai pris mon temps sur tous mes chevaux pour essayer un petit peu les comprendre, voir un petit peu, revenir un peu aux bases. C'est sûr que ça remplace pas la compétition, parce que la compétition, c'est quand même ça aussi qui nous fait vivre et qui nous fait vibrer. Mais c'est vrai que là, ça a permis, nous, je vois, on allait beaucoup à l'extérieur. On a la chance au pôle de pouvoir avoir beaucoup de paddocks, aussi un cross, une piste de galop. Donc on pouvait avoir accès à ça. Et donc c'est vrai que pour les chevaux, pour le moral, on a privilégié le moral et que le reste, quoi. Alors oui, déjà, bon, Hermès, c'est inutile de le présenter, tout le monde connaît, c'est une marque incroyable avec un matériel incroyable et ils nous permettent cette année à Clément, moi-même, de pouvoir faire le Grand National. Donc un grand merci à eux. Et Clément, c'est pareil, hein, il n'y a pas besoin de le présenter, il a tout gagné ou à peu près. Donc on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes cette année
pour essayer de faire pour le mieux. Et bah, j'avais un petit peu commencé l'année dernière progressivement et cette année c'est un objectif. L'idée oui c'est d'essayer d'améliorer la jument et moi surtout pour c'est un système formidable le Grand National pour progresser et puis accéder au, un peu plus, enfin aux 3 étoiles. Et on peut rêver après je sais pas de quoi mais en tout cas c'est ouais, l'idée c'est ça vraiment. Bah, Lyon oui c'est dans les mémoires, c'est exactement ça, c'est très loin maintenant. Hein, donc c'était la vie d'avant. Ça me donne un petit peu de confiance, ça veut dire que c'est possible. Maintenant il faut le refaire, alors gagner je sais pas, mais déjà essayer d'être sans faute dans un Grand Prix ce serait déjà un objectif. C'est déjà l'objectif principal, c'est essayer de refaire un sans faute. Alors ma jument, c'est une jument que je monte depuis qu'elle a 4 ans. Je suis le seul à l'avoir montée en piste. Elle appartient à Armand et Marcel Blanc qui me l'ont confiée à 4 ans. Donc j'ai commencé, j'ai fait les 4 ans, un petit peu les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans. Et c'est une jument qui c'est un petit peu leur bébé. Donc ils viennent la voir en concours, ils en profitent et puis elle progresse. Personne, ni d'eux ni de moi, pensions qu'on pourrait faire ce type d'épreuve. Hein. Je me souviens un jour, quand elle avait 5 ans, ils m'ont dit « qu'est-ce que tu penses ? Elle est bonne, mais qu'est-ce que tu en penses ?» Je dis bah, « on verra les 6 ans ». Puis à 7 ans, j'ai dit « ça fera sur une bonne 140 ». Et puis aujourd'hui, elle prouve qu'elle est capable déjà d'être sans faute régulièrement sur 145, un petit peu plus une fois déjà, qu'à chaque fois qu'on fait un parcours, qu'on saute plus haut, bah, on découvre le plus qu'elle est capable de faire. Donc c'est une personnalité assez étonnante, c'est une jument qui sort de l'ordinaire, qui marque. Quand on est cavalier, c'est une jument qui marque de par sa personnalité, sa qualité, son envie d'être sans faute et de bien faire. Donc c'est une jument rare, je pense. Pour épauler, c'est très difficile parce qu'il faut quand même des chevaux qui sautent minimum 1m45. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup. J'ai une jument qui s'appelle Baraka Louveau, qui appartient aussi à Armand et Marcel Blanc, que j'essaie d'amener petit à petit à ce niveau-là. Elle va commencer à Fontainebleau, normalement sa première 145 la semaine prochaine. Et j'espère pouvoir l'épauler parce qu'un cheval tout seul, c'est très compliqué. Et puis bon, on essaie de trouver des solutions pour en acheter, s'en faire confier. Mais c'est pas la chose la plus facile à vrai dire. Mais voilà, j'essaye, j'en ai d'autres jeunes, j'ai des bons jeunes qui suivent, qui arrivent derrière. Mais bon, c'est long, hein, c'est très long.